Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Mais la première chose que je vais vous présenter, je l'ai acheté à Jiffy. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai été me chercher une petite tasse renard. Voilà, parce que celle-ci, je ne l'avais pas. J'ai... elle est où l'autre? Je crois que j'ai mise. Non, j'en ai une autre avec un renard, mais c'est pas celle-ci. Je voulais celle-ci. À Jiffy, elle coûte 4,99€. Je l'ai trouvée, enfin je l'ai vue, du coup j'ai fait Jiffy en premier. Et j'ai été ensuite à Action. À Action, elle était à 1,29€ ou 79€. Voilà, donc faites pas comme moi, hein. N'allez pas à Jiffy pour la tasse, les filles. Et les garçons, ceux qui veulent, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis pris une grosse couronne en bois car j'aimerais faire une petite décoration d'automne. Alors ils l'ont sorti pour Noël, hein, ils ont déjà sorti les décorations de Noël, mais je vais le mettre avec vous savez, un petit peu de branches, des feuilles d'automne, etc., etc. Voilà, 4,99€ la couronne de bambou. Donc je me suis pris un petit ensemble de marqueurs calligraphie couleur automnale à 3,49€. Voilà, donc il y a différentes pointes, hein. Voilà, vous avez la pointe fine, moyenne, et puis plus ça va, plus c'est large pour faire du bullet journal. Je me suis repris une petite guirlande à 2,59€, c'est pour continuer à décorer ma bibliothèque, j'en avais pas assez. Donc j'ai mis là avec les copines. Alors là, j'ai pris... Alors attendez, on va faire dans l'ordre parce que sinon ça... Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai pris cette bougie à 0,47€ parce que je me suis acheté un bougeoir pour ma décoration automnale. C'est mon premier bougeoir, j'en ai jamais eu. Ensuite, j'ai pris à 1,99€, j'ai pris un ensemble de tissus. Voilà, qu'on avait acheté la dernière fois aussi. Donc là, c'est pareil, il y a du un peu de tout, et des lunettes, il y a des yeux. Et j'ai pris, bon, il y avait les trois, j'ai pris les trois lots. Hein. Voilà, là, il y a du. Ah, je vais y arriver. Toutes les couleurs. Voilà, j'avais des fleurs comme ça, on a du bleu, une simple et des petits cœurs. Je vais l'utiliser pour faire des masques. Et oui, une petite coloration pour Enola en bleu. Voilà, donc là c'est un petit tube, hein, il est à 1,19€, enfin sa petite mèche. Un petit ensemble de boucles d'oreilles à 1,59€. Voilà, donc on a des nacrés blancs et après on tire sur le rosé. Il y a blanc, crème, rose. Bon. Je me suis pris un petit thé. Alors, ils disent que c'est un thé de Noël, mais c'est pomme cannelle. Un thé noir pomme cannelle, donc ça peut faire aussi automne. Hein. 1,19€. Et il y en a combien dedans? Il y a 10 sachets. Voilà. À 1,49€, un petit ensemble de rondelles de bois. C'est du boulot. On peut mettre des petites décorations dessus. À 1,12€, j'ai trouvé plein. Enfin, plein, il y en avait 4 sortes de citrouilles, sauf que j'en avais déjà une. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris des bougies chauffe-plat à 97€. Je sais pas s'ils sont... Ils sont parfumés. Ils sont parfumés. Il y a des citrouilles dessus, donc je suppose... Bon, on verra. Elles sont parfumées à la citrouille. Avant, ils mettaient les prix sur les articles. Maintenant, ils ne mettent plus. Alors, à 2,99€, j'ai pris une petite housse de coussin
Je sais pas si vous la voyez, elle est grande, voilà, ça sera pour Maëlie parce qu'elle recherche, elle veut refaire sa chambre dans les tons un peu comme ça et gris, du coup je trouve des petits trucs, c'est du 45-45. Et elle adorait, elle en avait vu un comme ça, un coussin, hein. Mais là c'est la housse, pour le prix, c'est parfait. Ensuite, pour 3,29€, je me suis trouvé un chemin de table qui brille, qui est super joli, donc là je vais pouvoir le mettre. Pour l'automne, je voudrais faire une décoration automnale sur mon meuble de salle à manger. Donc c'est parfait. Pour 56 centimes pièce, j'ai pris des petits tampons. Alors ici, j'ai une feuille. Voilà. Ici, j'ai la tasse à thé. Et là, le parchemin. Voilà, j'ai vu Candy Shy en fait les acheter. Je me suis dit, oh là, faut que j'y aille. Je les ai pas ceux-là. Pour Maëlie, je lui ai pris un ensemble à 4,95€. Pourquoi j'ai deux fois 4€? Ah oui, d'accord. Un ensemble à 4,95€ sur la petite sirène. Voilà, donc il y a deux boules à bain, donc là il y a une queue et une petite boule, il y a un bandeau, on a la boule de bain et là c'est du sel de bain. Je vais pouvoir lui mettre dans son calendrier de l'avant. On reste, hop, le chandelier à 4,95€ aussi, il était en noir et en doré, moi j'ai préféré doré. Comme ça je vais pouvoir le mettre dans ma petite décoration automnale. Donc, comme je vous l'ai dit au début, hein, ils ont sorti les décorations de Noël. Je me suis pris quelques petits articles. 8,95€, je me suis pris la petite scène comme ça, hivernale. Parce que l'année dernière, j'ai voulu en prendre et en fait, il n'y avait plus quand je suis allée. Quand j'ai su qu'ils avaient installé les décorations de Noël, il n'y avait déjà plus rien. Donc, je me suis pris ça. Pour 99 centimes, je me suis pris une toute petite boule à neige de Père Noël où c'est marqué, normalement, attendez que je vous le trouve, Merry Christmas. Est-ce que tu veux faire une mise au point? Voilà, en tout petit, je ne sais pas si vous voyez, j'adore les boules à neige. Pour 3,99€, j'ai pris une boule, donc comme j'ai acheté pour cet automne, sauf que là, je l'ai prise pour Noël. Pour 99 centimes, je me suis pris un petit cahier à spirale. Il a combien de pages dedans, tiens? Je sais pas. 125 pages. Je vais m'en servir pour noter mes piles à lire. Parce que j'en ai déjà commencé sur un petit cahier que j'avais reçu en cadeau, mais là, il m'en faudrait un plus grand pour après. Pour 1,79€, je me suis trouvé un petit bloc avec des dessins. Alors, je pense pas l'avoir celui-ci. Je regarderai, mais bon, après, c'est pas grave. Hein, ça, on utilise hein, de toute façon. Voilà, comme ça, je pourrais mettre aussi dans mes bullet journal et faire du scrapbooking. Donc là, on a des trucs transparents. Voilà, des feuilles transparentes. Là, on a un peu comme ceci qui fait un peu stickers. Enfin, c'est un peu d'abord, on dirait des stickers. Et là après, c'est carrément les pages. Donc on a le tigre, on a panthère, voilà, des petits points. Ça fait... Les petits points, ça reflète bizarre à la caméra, le zèbre. Et puis voilà qu'on a plein de petits papiers. Hop. Et pour 2,69€, je me suis pris deux blocs. Alors, il est où le début? Il est comme ça. Deux gros blocs, pareil, où il y a pléthore de feuilles. Et là, ils ont fait des petites choses qu'on n'avait pas avant. Et après, on va tomber sur des feuilles, voilà, des feuilles à dessin. Enfin, du scrap, hein, toujours pareil. Maintenant que ma copine m'a offert un livre à scrap, et bien voilà. Et j'ai pris cette collection-là, qui est plutôt... été, printemps même, parce qu'il y a des petites fleurs, voilà,
Je dirais même printemps. Voilà, je vous ai tout montré. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.